déplacement du championnat élite. Oui, Jean-Altidon Wagnoeloa. Wagnoeloa, c'est l'ambassadeur du sport haïtien. Oui. Oui, pardon, pour bravo, oui. 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 Voilà. Wagno Eloi, Charles Tidor, Nene Masson, Zenono et Bueto. Alors disons quatre anciennes gloires du football haïtien accompagnées du PDG de Radio Élite Internationale pour remettre le chèque de 10 000 dollars et le trophée sacré, oui, Violette Athletic Club, comme champion de la première édition du championnat élite international. Avancez, avancez, avancez. Avancez. Oui. 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 Passez devant, passez devant. Passez devant, joyeux. Ouais. Voilà, voilà, Violette, champion, voilà, le cri de la victoire. C'est le cri de la victoire, le cri de la victoire des hommes du Violette Athletic Club, champion de la première édition du championnat élite. Voilà, mesdames et messieurs, monsieur Violette, monsieur Violette, vous pouvez péter champagne là dans quelques instants. Vous pouvez lancer confetti. Oui. Faites la belle. Jaco, faites la belle. Faites la belle. Oui. Voilà, voilà, Violette champion, voilà, Violette champion 2022 de la toute première édition. Prière à monter, tu m'arrives à monter. Voilà, voilà, mesdames et messieurs, Violette Athletic Club qui vient de remporter la première édition du championnat élite international. Une députée. Chose à vous, matin, après-midi, à soir, dépendant des fuseaux, hein, oui, oui, Jaco, dépendant de côté où suivre nous, c'était grâce à Natil Construction, monsieur et madame Alcée Joseph, grâce à Pepe Dry Cleaning, notre Miami, c'était également grâce à Stanley Barber, 55 sur 13 Dixie. Nous dérivons, voilà, côté, et le final, ça pour vous, mesdames et messieurs. Tout le monde qui t'a aimé supporter la plateforme Del Vacatio Bumbula, Del Vacatio, à ses radios, Del Vacatio, 305-206-0022. L'irrivé dans le fond de la vie. Bon, montrez-nous, bon, montrez-nous, on va parler. Amen, il non, Jaco, le papa, prends-la, Jaco. Depuis Haïti, il faut que vous well, Machon Pepe. Oui. Léon Martin. Jaco. Well. Bon, bon boule. Bon boule. Bon boule. Bon boule. Oui, je vais marcher. Attention, danger. Jaco. Bon boule. Bon boule. Bon boule. Merci, Jaco. Merci tout le monde. C'est un plaisir pour nous monter ensemble à coup pour nous déporter. Grande finale, première édition championnat élite là. Nous remercions Kaby Léveillé qui fait un travail extraordinaire. Et Violette, nous, oui, nous comme ça, Violette, forever. Violette, la soirée, c'est ça. Pour
respecter. Violette Forever. Chaque te font des ordres dans FIU. Nous corriger. Nous avons un corriger. Nous disons chaque Violette Rédé. Désormais, c'est Irécoyen. On veut dire Irécoyen dans l'homme pour chaque été. C'est ça que nous disons. Pour l'été, parce que nous-mêmes, nous sommes autonomes football, nous sommes vétérans football, des vieux, dit Violette. Tout le monde supposé respecter ça. Nous sommes Tigla. En forme, merci à Wanyo Eloi, merci à Zeno de Jean-Baptiste, merci également à Timon Alvarez, et qui demande le petit parler à Wanyo. Wanyo, Wanyo, et où tu es honoré, grande finale, première édition championnat élite là, par présence où, et qui ça s'est dit pour vous? Bah, honoré, c'est moi qui. N'a pas le bon créole. C'est moi qui étais honoré de venir là pour. En tant qu'ambassadeur. Pour me rapprocher de mon compatriote, moi. Ouais. Pour moi, bon football. Ok. J'avais espéré beaucoup mieux, mais bon, Kalidia, l'impati à cause de pression, le monde à cause de Kobla, il plus pensé à un jeu que la jouette là. Ouais. Mais bon. C'était un plaisir d'être là. Oui, c'est ton belle fête, c'est ton belle fête. Hein? Exactement, très belle fête. Une belle fête. Et nous, on devine avec plusieurs amis qui sont en France, oui, notamment Michael, Karim, et puis sans compter chargé de mission, hein, m'a parlé de Timon Alvarez, Zeno de Jean-Baptiste. Exactement. Donc, en tant qu'ambassadeur, Wanyo, et... Wanyo. Tu taquines toujours le ballon. Ouais, well, en tant qu'ambassadeur, Walou. J'ai vu. Et, well, attention, Tiché. Wanyo, en tant qu'ambassadeur, Walou s'est fait la promotion du sport haïtien. Et est-ce que présence aujourd'hui a constitué comme première pierre qu'on dépose dans le cadre de mission ou encore objectif pour gagner pour promouvoir le sport haïtien? Ben, la première chose à faire pour pouvoir bien remplir son rôle, c'est justement de connaître les gens, d'aller à l'encontre des gens, de se présenter, d'apprendre à les connaître, de surtout connaître les besoins. Et après, à partir de là, on va savoir exactement ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Et moi, je suis très content de pouvoir participer à ces manifestations-là parce que je vois l'engouement, je vois la joie, je vois comment les Haïtiens, ils sont passionnés. Je veux pas dire du football, je veux dire du sport, mais le football en particulier. Tout à fait. Et demain, si Dieu veut, vous êtes présent pour l'inauguration de l'Académie Chaxla, c'est ça? Oui, je serai là. Ok. Et ensuite, pour le reste de la semaine, et tu as beaucoup de choses à faire, n'est-ce pas? Tout à fait. Ok, on se met déjà au travail. D'accord, merci Wanyo, ça a été un plaisir. Merci à toi. Enjoy.